Ah, quelle belle journée, mon petit Guillaume. Oui, monsieur, nous sommes gâtés aujourd'hui. Oui, enfin, on manque un peu de place, mais bon. Dites-moi, mon petit Guillaume, ça fait combien de temps que vous êtes à mon service ? 22 ans, monsieur. 22 ans ? Mon Dieu, comme le temps passe vite, mon petit Guillaume. Au service de monsieur, je ne vois pas le temps passer. Ah, ça c'est gentil, mon petit Guillaume. Le monsieur fait si bien les choses que je me sens chez monsieur comme chez moi. Mais vous êtes chez vous, mon petit Guillaume. Vous êtes chez vous. Monsieur est trop bon. Mais enfin, mon petit Guillaume, vous savez très bien que je vous considère comme un fils. Monsieur me fait rougir. Ah, mon petit Guillaume, vous pensez à rappeler Madame Duvier-Beauchamp? Nous n'avons pas bridge demain soir. Monsieur peut compter sur moi. Encore ? Que se passe-t-il, monsieur ? Les fonctionnaires, mon petit Guillaume, encore en grève. Peut-être qu'ils estiment ne pas être assez entendus par le gouvernement, monsieur. Enfin, mon petit Guillaume, qu'est-ce que c'est que ces propos ? Je dis cela à monsieur, car monsieur ne le sait peut-être pas, ma belle-sœur est fonctionnaire. Ah bon ? Vous avez des fonctionnaires dans votre famille ? Oui, monsieur. Et je me permets de dire à monsieur que pour eux, ce n'est pas facile tous les jours. Oh, mais vous plaisantez, non ? Pas du tout, monsieur. Mais enfin, mon petit Guillaume, un fonctionnaire, c'est quand même pas un pauvre. Pour la plupart, si, monsieur. Et je peux dire à monsieur que beaucoup d'entre eux militent à la CRT pour faire entendre leurs revendications. La CRT ? Qu'est-ce que c'est que ça, la CRT ? C'est la Confédération Révolutionnaire des Travailleurs, monsieur. Mais enfin, mon petit Guillaume, comment connaissez-vous ce nom-là ? Tout le monde connaît la CRT, monsieur. Et je peux même dire, au risque de surprendre monsieur, que je fais partie de cette confédération. Ah bon ? Oui, monsieur. Vous êtes de gauche, mon petit Guillaume ? Oui, monsieur. Mais enfin, mon petit Guillaume, vous n'êtes pas heureux à mon service ? Si, monsieur, très heureux. Je n'ai à me plaindre ni de monsieur ni de madame. Mais alors pourquoi militez-vous pour cette confédération je ne sais quoi ? Révolutionnaire des travailleurs, monsieur. Et je me permets de dire à monsieur que même si être au service de monsieur m'apporte tout ce dont j'ai besoin, je ne peux m'empêcher de penser à ma belle-sœur et à tous ces travailleurs qui vivent à peine au-dessus du seuil de pauvreté. L'enculé, il est de gauche, avec tout ce que je lui donne. Que monsieur ne s'inquiète pas. Je suis très heureux à son service et je n'ai rien à lui reprocher. Encore heureux ? 1300 euros bruts par mois pour avoir le plaisir d'être à mon service, il y en a plus d'un qui rêverait d'avoir cette chance. Voilà, mon petit Guillaume, je dois vous dire que je suis sous le choc. M'énerve celui-là avec mon petit Guillaume, toutes les deux phrases. Mais dites-moi, mon petit Guillaume, ça consiste en quoi, cette confédération ? Les militants se réunissent régulièrement pour décider d'éventuelles actions contre le patronat, monsieur. Ah bon ? Mais pourquoi faites-vous ça ? Ça sert à quoi ? Pour faire avancer les choses, pour défendre les revendications, pour éviter les licenciements. Monsieur ne se sent pas bien ? Monsieur désire-t-il peut-être un verre d'eau ? Non, mon petit Guillaume, un verre d'eau ne fera rien pour atténuer ma stupéfaction. Monsieur est stupéfait de quoi ? Que je sois de gauche ? Ah ! Je vous en supplie, mon petit Guillaume, ne prononcez plus ce nom-là. Je me permets de dire à monsieur qu'être de gauche,
n'empêche pas la sympathie et la dévotion que j'ai pour monsieur. Ah, enfin un mot réconfortant, mon petit Guillaume. Est-ce qu'il plairait à monsieur de venir un soir assister à une réunion de la CRT? Quoi? Moi, à une de vos réunions? Bien sûr. Je suis sûr que monsieur trouverait cela très intéressant. Mais enfin, mon petit Guillaume, vous me voyez, moi, au milieu de vos syndicalistes? Tout à fait, monsieur. Je suis sûr que monsieur serait très surpris de l'accueil qu'il aurait auprès des camarades militants. Ah bon? Camarade, je vous présente un nouveau militant, le camarade Jean Edmond. Bienvenue à toi, camarade Jean Edmond. Vive le camarade Jean Edmond! Camarade Jean Edmond, nous te demandons l'hospitalité chez toi, car tu as beaucoup de place. Ouais. Camarade Jean Edmond a accepté de léguer tous ses biens à la cause populaire et de renier à tout jamais ses origines. Monsieur ne se sent pas bien? Ah, vous êtes là, mon petit Guillaume. Je suis toujours là pour monsieur. Oh, mon petit Guillaume, j'ai fait un cauchemar, si vous saviez. Monsieur désire peut-être me le raconter. Non, j'aime autant pas, mon petit Guillaume. J'aime autant pas. Qu'est-ce que tu fais, camarade? Je vais taguer ma rose. Je vais marquer CRT dessus.